me battais, je tournais, je criais, je me sentais étouffé. Je battais, je sentais que je voulais, j'avais envie de déchirer mon corps pour que je sorte. Mais mon corps me retenait. Je faisais l'effort. D'autre part, je voulais crier. Parce que la lame commençait à sortir. Je tire ma lame. Et je parle lentement. Je me battais. D'un coup, voilà pourquoi je dis que Dieu est bon. Amen. D'un coup, j'ai vu à 0 h dans ma cellule fermée. J'ai vu un homme. Jésus. Dans cette lune. Moi, par terre. J'ai vu un homme qui me regarde. Me regarde. Moi, je le regarde. Alors, on parlait de le passé. Moi, je n'aime pas l'avoir. Je le disais dans le passé. Mais tu me regardes, tu me vois, tu me laisses pour mourir. Il me disait, qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce qu'il y a? Il était furieux et me regardait. Mais il disait, qu'est-ce qu'il y a? Moi, je le disais. C'est bizarre, on parlait avec, on s'est parlé. Mais pas comme ça, comme, ah, ben non. Il est passé. Lui, il me parle par ses regards. Moi, je ne parle aussi pas par mes regards. Mm-hmm. Je dis, mais moi, je meurs. Tu me laisses comme ça? Un homme. Que je connais pas. Il était pieds nus. Pendant que je vous dis, je le vois encore. Mm-hmm. Il est dans le passé. Je le vois comme c'était hier. Je ne dirai jamais cet homme-là. Mm-hmm. Il avait. Montre-moi une pince. Maman, fais ça ta charpe. Ma poutre dans la trace au père. Heureusement. Il avait un tout petit blanc comme ça, blanc. Il avait un tout petit blanc comme ça. Il avait beaucoup. Alors un grand tout petit allongé, blanc. Et regardez. Vous m'avez dit qu'il était Dieu. Mais je sais une chose. Je suis électable. Avec le dit, l'âge de l'éternel campe tout l'éternel. On va dire que je suis dit non. Non. Je parle de vérité. Je prêche la parole. Mm-hmm. Amen. Et quand je l'ai dit, l'âge de l'éternel. Et moi, je me suis dit que c'était l'âge de l'éternel. Mm-hmm. Il était là en blanc, pieds nus. Pieds nus. Et il m'a regardé. Moi, je tournais. La lame sortait. Et quand j'ai vu la vidéo, d'un monsieur qu'on a mis, qu'on a balancé partout. Mm-hmm. Il dit, mais ça, c'est mon cas. Oh, yes. Et à ce moment-là, en prison, il n'y a pas de police, il n'y a pas de secours, c'est pas appelé. Tu sais que la police vient, non. Ce moment-là, quand on veut que tu meurs, tout est fermé. En prison. Et quelle prison? La prison de Makala. La prison où les gens veulent que tu meurs. Je l'ai vu pour la première fois. Il faisait aller et retour. Quand il est rentré, il m'a regardé à moi. Directement, il a fait comme ça. Il m'a montré la table. Ma table. Tout sur la table. Et j'ai compris pourquoi je ferai la table. J'ai ma table, je vais défaire. Je vais défaire.
J'avais des invités, j'avais des frères dans ma cellule, on a pris des jus, et là c'est vrai avec des verres. Et l'eau, c'était resté sur la table. Alors cet homme, il a regardé la table. C'est comme s'il me disait de se passer. Regarde sur la table. Mm-hmm. Et j'ai soulevé ma table, j'ai mis la table, j'ai mis les verres. Et demain, j'ai compris qu'il faut que je dise les verres. J'ai pris les verres, j'ai laissé les verres sur la porte. Mm-hmm. Les verres s'est cassé. Mon voisin, il était condamné à l'âme. Il a attendu que les verres se cassent devant la porte. Il y a un problème. Il sort chez lui. Il va, je casse les verres et les bouteilles de la porte. Mm-hmm. Il pousse la porte. Et heureusement, les jours là. Oh Jésus. Il va fermer ma porte. Oh, oh. Gloire à Dieu. Heureusement, il a poussé la porte dans le verre. Il m'a vu sur la table. Oh, yes. Archie. C'est quoi Archie? Je l'ai regardé, ma langue était dehors. Oh Jésus. Je ne peux pas répondre. Parce que ma bouche était bloquée par la langue. La langue est très grande. Mm-hmm. Non, on va répondre à une petite langue. Non. Non, là ça sort, ça te bloque, ça t'étouffe. Malade, il est dehors. Dis, Archie. C'est l'AVC. Hein? AVC. Oh Jésus. D'accord, je vais aller là-bas. Je vais aller parler au commandant. Il a couru. Il est malheureux, il est mort aussi. Ah. La mère cassée. Mon voisin de la prison. Et là, oui, on prend le commandant de la prison. Le militaire. Il dit, Archie, tu de mourir là-bas dans la cellule. Moi, j'étais là. Et d'un coup, quand le colonel est parti, l'homme était disparu. On est venu rapidement. Les militaires sont venus, m'a ramené. Je m'étais vu d'un coup sur les dos des militaires. Ils couraient. Et quand ils m'ont transporté, comme la tension était montée très 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 haut, ma tension a touché les pieds. C'est très monté. Et d'un coup, sur les dos des militaires, je commençais à uriner. J'ai pissé. Et le militaire m'a dit, ah, c'est pas grave. C'est pas grave, Archie. On veut que tu sois en bonne santé. Et quand on dit, Archie, moi je crois que tu sors aujourd'hui. Ah bon? Et pour la première fois, quand on est sorti, là, j'ai mis la voiture en face. J'ai dit la voiture. Quoi? La voiture. La voiture. Après, ne va jamais la voiture. Toute la voiture commence à fuir. Parce qu'on ne voulait pas me prendre. On s'est dit, il faut utiliser d'autres moyens. L'autre qui était là, il a fait sortir une arme. Il commence à braquer les tactiques passées. Il braque une voiture. Ne bougez pas. Quoi? Non, ne bougez pas. Il doit aider un malade. L'autre a fui. Un qui venait, on l'a braqué aux larmes. Avec les clients, ils ont commencé à crier. Non! Nous avons le médecin ici qui est malade. Il faut qu'on l'aide, il faut que vous l'amenez à l'hôpital. Les détecteurs ont dit, hop, vous pouvez l'entrer. Je m'en suis entré dans la voiture. Ils sont entrés, m'a amené à l'hôpital. En route! La voiture a eu un problème. Oh. Le moteur commençait à s'arrêter d'un coup. Pour s'arrêter, chez nous, on a tous des garçons côté là, ils attendent que la voiture vous avez un problème et ils viennent. Ils te poussent, tu payes l'argent. Ils ont dit, non, nous sommes ici. Nous sommes ici, le chèque. Nous sommes ici. Le chèque, c'est pas mal. Soit les affaires abandonnées comme ça. Mm-hmm.
On peut procéder à pousser la voiture. Quand ils sont arrivés, ils sont regardés. Oh! Soda! Oh! C'est mon premier! Les passés continuent! Ah, vous venez les tuer, hein? Aujourd'hui, hein? Ils ont pris les soldats. Ma! Le chevalier est intervenu. Non, non! Il est malade, il est malade, vous avez besoin. Donc, on l'amène à l'hôpital. Hôpital où? L'hôpital est ici en Ghana. Vous l'amenez où? Vous l'avez tué. Le policier a fouillé, il est stable. Les policiers. Bon, nos policiers, la famille, c'est dangereux au crime. Quand les gens sont irresponsables, on veut les appeler des irresponsables. Les policiers, allez, c'est là, à la foule, sans ça. On peut les faire passer dame. On peut dire, hé, arrête. Il dit, dame, c'est ça, c'est beau. Il laisse l'arme, elle, les bousons de militaire. Ça pesait devant l'échec. Il dit non, plus toi tu restes avec moi, je fuis, je me sauve. Maintenant, sauf qui peut laisser la tenue, elle lave, elle fouille. Il fouille très loin. Elle s'est reposée très loin pour regarder comment ce qui se passe. De loin, il a regardé. Qu'est-ce que c'est? Elle est revenue après. Quand nous sommes partis, les chefs. Oh, dans la vie, fais le bien. Amen. Amen. Fais le bien. Les biens te suivront. Alléluia. S'aimer les biens. S'aimer l'amour, tu vas goûter l'amour. Mm-hmm. Je passais mon temps à s'aimer les biens. Amen. À s'aimer l'évangile dans les cœurs des gens. J'ai aimé les chèques. Je les ai abandonnés. Je les ai ramassés. Je les ai habillés. Ce sont des enfants-là qui m'ont aidé. Oh Jésus. C'est pas un homme à Mercedes qui m'a aidé. C'est l'homme de la rue qui m'a aidé. Oh. Au bord de la mort, les gosses de la rue, connaissent les chiens, les voyous, les bandits, les vagabonds, oui, vagabonds. Vagabonds, il a aidé un homme. Vraiment. Ils m'ont pris, c'est eux qui m'ont amené à l'hôpital des Nadal. Ils m'ont amené à l'hôpital, nous deux chauffeurs, bon, toi, on te laisse, toi, on dirait que tu es vraiment un vrai chauffeur. La figure, c'est un bon chauffeur. Bon, comme tu es la figure d'un bon chauffeur, on part tout dans l'hôpital. On est parti jusqu'à l'hôpital. L'hôpital dit, médecin, malade, comme ceux de bandits, quand ils parlent, ils sont plus forts que les militaires. Et surtout quand ils n'ont pas de chemise. Quand ils sont torse nu, ils n'ont pas de chemise. Ils ont des poitrines gonflées. Ils transpirent. L'air de figuration, ça sent très mauvais. Leurs paroles et la transpiration, l'odeur de la transpiration, l'odeur de la bouche, elle parle, tu dis, ah, parce que là je me la sens, là je me sens, cette odeur, tu vois, le cœur là, te traumatise, tordu, elle dit, c'est ce qu'il demande. Le médecin m'a pris, m'a mis, il a regardé, comment ça tombe. Il demande à ce qu'il y ait un peu à la salle de réanimation. Il demande aux gens de la réunion qui viennent. Ils sont réveillés, descendent rapidement. Il m'a ramené à la réanimation. Là, je ne savais rien, plus rien. Je m'étais dit, j'étais ailleurs. J'étais presque mort. Mais Dieu est avec moi. Amen. J'ai dit à Dieu. Je dis toujours à Dieu que je ne mourrai pas, je témoignerai que non. Alléluia. Je prêcherai que non. Amen. Dieu n'a pas voulu que le monde puisse gagner. Il a dit que moi j'ai gagné. Alléluia. Je suis entré dans cette réanimation. On m'a réanimé, on m'a réanimé. De la salle de question, tout le monde est venu. Quand je m'étais revenu à lui, j'ai vu une infirmière qui arrangeait, qui nous arrangeait. Je m'étais vu que j'étais nu. L'infirmière était à côté de moi. J'ai dit, madame, toi, tu
Tu m'as rangé. C'est bon? Est-ce que c'est ton pasteur? Madame, c'est toi qui as fait tout ça. Madame, comment pasteur soit calme? Tu m'as déshabillé. Ici, ici, il n'y a pas de hommes, il n'y a pas de femmes. C'est comme ça ici. Oublie que tu es femme ou homme ici. Vous tous êtes nus. Et c'est vrai. Parce que quand quelqu'un meurt, dès que vous êtes là, si vous voyez, ils avaient des grands draps. Dès que vous voyez un grand drap entre, c'est que l'autre qui est derrière, il est parti. Il n'a pas dit qu'il sort, il a même dehors. Mais on dirait chacun attendait sa sortie des morts. Oh Jésus. Son heure, il est. On ne parlait pas, j'avais vraiment besoin de prier pour tous ces gens. Un homme qui est malade, il vient encore prier pour les gens. Voilà. Un homme a encore fait prier pour elle, comme Mathieu. Avant de prier pour eux. Mais dans mon intention, il y a encore Dieu qui est là. Amen. La dernière réponse, c'est Dieu qui donne ça. Le monde peut prier pour que ce soit, mais si Dieu n'a rien dit, rien ne peut se faire. Amen. Jésus. J'entends maintenant les frères disent, sa mère, c'est celle qui l'a dehors là-bas, au four là-bas. Il faut dire qu'elle est à la mort pour prendre son enfant. Et je vois, on en parle. Celle qu'on vient de parler quelques minutes, hein, on l'a emballé comme un animal. Oh. On l'a mis sur le blanc. La femme est sortie. Quand elle a bougé la porte, comme la porte est vraiment fermée, il n'y a pas de bruit. Mais quand elle est rentrée, en bougeant la porte, j'ai entendu les cris d'une femme dehors. Ah, tena. Elle pousse la porte. On dit, maman, non, on va à la mort. Elle part à la mort, Sa mère criait très fort. Chacun a donné sa mort. Moi, j'ai de confiance en Dieu. Amen. Dieu ne me laissera pas. Oh, Jésus. Dieu n'abandonne pas. Amen. Les hommes abandonnent, mais ils n'abandonnent pas. Dieu n'abandonne pas. Ma mère. Et c'est là où j'ai vu la présence de Dieu. Dieu a intervenu. J'ai senti la présence de l'esprit des morts. Parce que les gens mouraient à chaque fois. Chaque 30 minutes, quelqu'un meurt. Les grands dents qui viennent. Maintenant, c'est la voisine qui est partie. Après, je sais pas, ça commence là-bas. Bon, ça part là-bas. L'autre est parti. Moi, je dis, j'ai vu ma femme qui est à côté. Ne reste pas ici parce qu'il y a tout à tout. Ça commence par là, après ça va venir chercher. Bien, ça sera mon tour. Si on reste ici, moi je pars. Si tu veux pas que moi je parte, qu'on m'amène dans les glandes là, il faut qu'on sorte ici. Quoi? Il faut qu'on sorte ici. Écoutez, la machine, il dit, esprit de mort, esprit de mort. Non, c'est la machine, c'est une machine. On est venu le médecin. On a dit, médecin. Le pasteur dit que la machine dit, est-ce qu'il est mort? Le médecin dit, c'est le bruit des machines. C'est pas le bruit des chats. Non, c'est une machine. Il vient de virer. Il vient de comment c'est normal. Il dit, Amy, sors d'ici. J'ai demandé, est-ce qu'il est mort? Est-ce
Esprit de mort, esprit de mort. Je sors d'ici, sinon, esprit de mort, on va me parler bientôt. Et, j'ai tellement décidé. Le matin, on va sortir. Moi, je me ramène directement à la chambre. On a mis notre machine dans la chambre. Voilà les plaies que j'ai aujourd'hui. On peut dire amen. Amen. Bac le même Seigneur. C'est vrai, mon fils m'a connu, j'étais je courais, je sautais. Maintenant j'ai la canne. Qui est cet homme? Un homme qui a expérimenté la puissance de Dieu. Quand les gens ont vu la canne de Moïse, c'est la canne des bergers. Ah. La canne des bergers qui devenait un serpent, c'est la canne des bergers. Au début, c'était la canne des bergers. Quand, devant Pharaon, quand il a laissé, quand il a pris, c'était plus la canne des bergers, c'était un serpent qu'il a pris. La canne là, c'est la canne qui a fait traverser le peuple de la mer rouge. Gloire à Dieu, cette canne m'a fait sortir de la prison de ma canne. Oh Jésus! La canne. J'ai vu Yav mourir en prison, le général Yav. Les gens mouraient. Tu vois, les gens meurent, on dit, vous allez mourir là. On dit, il faut appeler. Appelle. Il faut qu'on demande au président, s'il accepte que tu sors. Quelqu'un meurt. Quel droit de l'homme? Quel droit de l'homme? Quel droit de l'homme? Yav mourait comme un chien. Tout ça, je dis, il faut qu'on en parle un jour devant les grands tribunaux. Jésus. C'est très méchant. Très. Beaucoup prier pour notre pays. Je me dis, si on n'a pas, bon, on n'a pas sorti le pays, il faut, je ne sais pas quelle délivrance on va faire à ce pays. Les gens ont tombé. Dieu m'a tenu en forme. Alléluia, alléluia. Et ma canne m'a aidé de sortir. Amen, amen. Il faut que lui sorte. Il faut qu'il sorte. Moi j'ai la canne. Et quand je devant, je dis. Comment dis-je? Aningo miamou. Des soins, soins médicaux importants. Soins médicaux importants. Et puis, voilà, bien sûr, j'ai mais là, je vois des gens en face. Je vois des voitures. J'ai vu la voiture de Pastor Douzi. Il voit mes enfants spirituels. Comme c'est beau. Amen. C'est la chose que j'ai gagnée. J'ai des micros ici. Moi, j'ai l'évangile. J'ai passé toute ma vie à prêcher l'évangile. Toute ma vie. Je ne voulais pas qu'on m'arrache. Prends-moi tout. Prends-moi le vêtement. Prends-moi tout. On n'est pas bien les micros. Mon micro, je l'aurai jusqu'au retour de Jésus-Christ. Amen. J'aurai mon micro. Je bénirai les gens. Amen. J'encouragerai les gens. Amen. Je prierai pour les gens. Pour les paradis, je prierai pour eux. Amen, amen. Parce que je parlais que je voulais pas prendre maintenant. Amen, amen. Je voulais pas prendre maintenant la peau. Amen.
Alléluia. Et pour des soucis, j'ai senti l'odeur. Donc j'ai repris mon micro. Ce n'est pas la carte, qui m'empêcherait de ne pas aller voir mes prédits. Jamais de la vie, jamais. Jamais. Ce n'est pas ça qui m'empêcherait de ne pas payer pour Jésus. Alléluia, alléluia. Au contraire. Amen. Je suis très content de voir quelqu'un heureux. Quand je prêche, qu'elles sont bénies, sont guéries, sont réconfortées. J'ai vu des gens se réconcilier. Et j'ai donné la vie au Seigneur Jésus-Christ. Je vois des jeunes gens qui chantent. Quand j'ai vu des jeunes chanter, j'ai dit, oh Dieu, merci. Ce que je voulais voir dans ma vie, j'ai accompli. L'aigle monte, mais par lui-même. C'est Dieu qui permet. Amen. J'ai été guéri. Mais par moi, c'est Dieu qui m'a guéri. Il m'a fait sortir du coma. L'autre jour, je vous dirai que ce que j'ai vu, c'est une autre histoire. J'ai vu des choses. On m'a dit, toi, continue. Tu vas, je suis venu. J'ai vu une grande ville. On était devant la porte de la ville. Je suis arrivé, un homme s'est dérangé. Il y avait quelqu'un qui était là. Et le Dieu, on te gagne. Dis-toi, passe-toi là-bas. Il y avait des gens qui pleuraient là-bas. Mais dans la ville, on veut une grande ville clôturée. Une grande clôture. La lumière qui fait et la musique qui fait une grande musique que je n'ai jamais entendue dans cette ville. C'est pas pleurer, je n'ai jamais entendu dans cette ville. C'est une ligne de watch. Très fort. Quand je suis arrivé, il y avait trois hommes qui étaient là. Je dirais trois voyageurs, des costauds, mais mal habillés. Quand l'autre parti, on a fait un train. Moi, quand je suis arrivé, j'ai dit, moi, c'est Coutinho, je dois attendre. Qui? Coutinho. Qui? Coutinho. Moi, c'est Coutinho. Là, on ne dit pas Archbishop Coutinho. Parce qu'on dit Coutinho. On ne dit pas moi, président Mobutu. Non. On dit Mobutu. On va général Vietnam. On dit Tal. On va voir Baudouin. Non, on dit Baudouin. Moi, je n'ai qu'à la fille. Non, t'as la fille. Mets-toi là. Je me suis mis à côté. Continue. L'autre ne croyait pas. Il s'est mis debout. Continue. C'est continue. Et c'est comme si on se connaissait. Il est entré à l'intérieur. On va dire au chef qui est là, si tu peux entrer. Il dit, dis-moi, je vais entrer. Mais attends. Il est entré. Quand il sortait, j'ai dit, le chef suivait derrière lui. Il y a un monsieur qui est venu ici, il était pour qui? Non. Il ne souhaitait pas qu'il vienne ici. Qui l'a amené ici? La femme était qu'il reste là-bas, mais qu'il ne vienne pas ici. Mais qui a fait qu'il vienne ici? Comment il est arrivé ici? Il a guéri les gars qui étaient là-dedans. Mais qui l'a amené ici? Maintenant, il est venu à moi. Il dit, toi, tu dois rentrer. J'ai beaucoup à faire avec toi là-bas. Rentrez! J'ai regardé là où je viens. C'est très loin. Je suis arrivé, j'ai devant la porte. Moi, je me réforme un peu ce qui se passe à l'intérieur. Je me réécoute un peu. Voilà, tu peux voir la joie qui est là. Rentrez. Et il a compris que je ne voulais pas rentrer. Maintenant, il a regardé au gars, au voyou, j'ai dit des voyous. Il y avait des hommes qui étaient là. Des costauds. Avec des poitrines que je n'ai jamais vues. Je dirais des monstres, je crois. Je ne sais pas s'ils portent des maisons comme exercice.
soulèves le sol avec une maison pour s'agresser. Très fort. Alors, il les a regardés. Il m'a regardé. Et eux, ils m'ont regardé avec colère. J'ai compris qu'il y a quelque chose qui s'est passé là. J'ai tourné. J'ai dit, vous allez voir que ma chaîne a gagné pour rien. J'ai commencé à me suivre. J'ai couru. Ils m'ont suivi. Jusqu'à arriver des bas, comme ça. Et j'ai arrivé des bas, j'ai tombé. Quand je te bats derrière, et mes rêves m'ont acheté. Alors j'ai glissé. J'ai tombé par terre. Quand je suis par terre, je me suis dit que j'étais sur le lit. En Ghana. J'étais revenu sur la terre. Donc, j'ai fait un long voyage. Mm-hmm. C'est alors que j'ai compris que l'homme que j'ai vu là, donc j'étais parti au ciel. Dieu m'a dit, toi rentre, j'ai beaucoup à faire avec toi. Je veux dire à quelqu'un, si ton temps n'est pas encore arrivé, rien ne peut t'arriver, rien. Alléluia. Rien. L'homme ne peut pas mettre la fin à tes jours. Parce que Dieu n'est pas Dieu. C'est Dieu qui décide pour l'homme. C'est pas un homme. J'ai dit adieu. Je continuerai à faire le bien. Je continuerai à prêcher la bonne nouvelle. Parce que j'aimerais être dans la ville là. J'aimerais entrer là-bas. La ville là existe. Je vous en ai bref. Campagne de Jérusalem. Une ville clôturée. C'est vrai, ça existe. Moi, j'ai vu ça.